Bon, bah c'est le jour où je vais enfin m'occuper de la distribution de cette 605. Puisque maintenant qu'elle est belle, on va éviter de péter le moteur pour une raison totalement stupide, comme celle d'avoir les pièces mais d'avoir la flemme de les monter. Il fait un peu frais aujourd'hui. J'avais pas très envie de m'y mettre à 6h du mat. Là, il fait 8, tout à l'heure on avait que 3. Hein, donc. Justement, la température. Quand j'avais remis en route la voiture, j'avais remarqué qu'elle avait tendance à vite chauffer. Donc j'avais rincé plusieurs fois le circuit de flotte et ça avait bien fonctionné. Après, elle n'a plus jamais eu de soucis à ce niveau. Sachant que j'allais faire la distri, bah, j'ai pas mis du liquide refroidissement à tourner à l'eau. Et vu qu'il va commencer à geler, si jamais on a un vrai hiver où il fait moins 10, moins 15 une nuit, j'aimerais pas que le bloc s'éclate sans moi. Aujourd'hui, j'ai envie de bosser confortablement, je vais me faire un peu de place. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait plein de coques de fruits là-dedans. Oula. Voilà, je racontais pas de conneries, hein. Il y a de quoi faire. Avant de retirer complètement le support moteur, bon, évidemment, j'ai calé le moteur, il y a un cric en dessous. Mais il vaut mieux que j'essaye d'enlever la poulie de vilebrequin, enfin la vis, que je la desserre, que je la débloque. Parce que ça va pas mal forcer sur le moteur et s'il peut éviter de trop bouger, ça nous aidera beaucoup. Alors j'ai quasiment jamais eu de succès avec cette méthode. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de couple. On sait jamais. Yet. Allez, on va tenter le coup. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et sur un malentendu, ça a marché. On a un bon disque d'embrayage. On a une vis pas trop serrée. Donc ça le fait. Un support en moins. Là, ça va nous dégager beaucoup de place et on peut pas dire que c'était particulièrement galère à faire. Ça permet de vérifier son état d'ailleurs et franchement, il est plutôt en bon état. Hein. Voilà, là ça fait de la place, on va être bien. On se refuse rien aujourd'hui. Une couvrois toujours aussi magnifique. J'avais vérifié avant de partir en Tunisie parce que, bon, faut pas déconner quand même, je suis pas suicidaire. Et il est temps pour elle de nous dire au revoir aujourd'hui. Hein ? J'ai de quoi les remplacer normalement. Il est temps, hein ? Et celle-là, bon. A changé quand même. Se mettre au PMH maintenant. En dessous, j'avais vu les marquages qu'ils avaient fait eux, mais à mon avis, celui d'origine qu'on doit utiliser, il doit être derrière cette poulie de vilebrequin. Bon, il y a un truc bizarre qu'il va falloir vérifier. Quand je suis aligné en bas, ici j'ai au moins une dent de décalage. Je vais mettre au bon repère en haut. Donc voilà le décalage constaté. Ici on est aligné. Et en bas, pas du tout. Pas de frein filé. Bon, pourquoi pas. Je pense qu'ici, on devrait être sur ce repère-là. De toute façon, on va continuer à démonter un peu. Là, je l'ai calé différemment en utilisant ce que je crois être les trous de pige qui doivent être utilisés en théorie. Et pas les repères qui ont été faits. Si on regarde bien, en fait, il y en avait un autre ici qui cette fois-ci s'aligne bien avec celui sur le carter. Donc fausse alerte, je crois. Dommage, j'aurais bien voulu récupérer
10-15 chevaux en plus, perdus dans un décalage de distri, mais non, pas aujourd'hui. Pompe à eau, galet tendeur, et en haut direct, poulie d'arbre à cam, on est vraiment sur un setup hyper basique. La pige à utiliser ici, ça doit être quand même assez particulier. Vu la quantité d'huile qu'il y a ici, on va remplacer le joint spi qu'il y a derrière, j'espère que j'ai le bon. Non, à part ça, franchement... Voilà, courroie détendue. Enlever par là. Au revoir. Ouais, voilà, c'est juste le bon moment pour la remplacer. On a la partie caoutchouc là. Allez. Qui est en train de légèrement se désolidariser du reste. Mais ouais. Elle aurait pu y rester encore, je pense, 2-3 ans sans courir trop de risques. Ça, c'est le reste de pièces que Carpardou m'avait envoyé. J'avais pas utilisé le jour de la remise en route, puisque bah, tout s'est bien passé et la distri méritait pas d'être changée immédiatement. Je dirais qu'a priori, on a la bonne. Bon, je pense que je vais me contenter de remplacer celui-là de joint spi. On en a aussi un, hein, évidemment, au niveau du lubriquin, mais lui, il est impeccable. On va le laisser tranquille. Et ben, ouais, bah voilà. On va éviter de la perdre, hein. Ok. Ouais, ça fuit bien autour, on le voit. Et ben non, je crois que j'ai pas le bon. Des fois, les pièces sont en stock. Donc je suis allé au AD du coin et ils avaient le joint spi qu'il me faut. C'est appréciable quand même. Moi aussi, j'apprends des choses sur YouTube en lisant les commentaires de mes vidéos. Et quelquefois, les gens m'insultent quasiment parce que je fais n'importe quoi. C'est l'occasion de se corriger. Donc maintenant, j'enlève les joints spi de la façon qui convient. Enfin, je crois. Apparemment, c'est ça la bonne méthode. Je vais pouvoir utiliser cette super mallette que je me suis achetée chez Méga Technique à un moment où c'était en promo. Ils vidaient leur stock, donc c'était vraiment pas cher. Bon, je les ai un peu défoncés parce que je m'en suis servi aussi pour monter des roulements un petit peu plus grands. Avec ça, on devrait s'en sortir. J'ai placé le bac totalement en bon endroit. Il a recueilli à peu près 3 gouttes de cambouis. Et le sol, ben, le reste, 4 litres quoi. De toute façon, c'est moi qui nettoie après. Donc si je dois m'engueuler avec quelqu'un, c'est avec moi-même. Je vais même lui mettre un peu de silicone. Ça fait partie des préliminaires. Évidemment, j'ai pas vidé le circuit, hein, donc il y aura bientôt une nouvelle cascade d'eau dans le coin. On le voit bien, ils avaient mis joint et effectivement c'est utile. Allez. Alors ne vous y trompez pas, hein, ça a vaguement la couleur du liquide de refroidissement, mais c'est de la rouille. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu remplacer le LDR tout de suite, c'est que je sais bien que même après plusieurs rinçages, ensuite avec les cycles de fonctionnement, il y a encore pas mal de dépôts qui s'en vont. Et on va en profiter pour en refaire un autre. Voilà, elles sont rigoureusement identiques à part le design de la turbine, mais bon, on s'en fout un peu. Ce qui importe, c'est que ce soit une poulie en métal et pas en bakélite déjà. Je me tâte quand même à remplacer le joint spi de l'arbre à cam, au point où j'en suis. Finalement, j'ai pas eu le temps de le faire, j'avais cours de poney.
aider le joint papier et puis pour pas trop nous embêter à l'installation. S'il colle dessus, c'est quand même plus simple. Hein. Avant de tester quoi que ce soit, c'est bien d'enlever la pige en haut aussi. Sinon, on peut avoir des surprises. On va faire tourner au démarreur. Là, je débranche la bobine. Et là, j'inonde le moteur d'essence. Impeccable. Heureusement qu'il n'y a pas d'allumage. Si, on va avoir un problème si je fais que ça comme ça. Ça fait un super brumisateur. On va pouvoir tester. Bon, la durite d'essence qui restait, qui faisait le retour, il était quand même temps de la remplacer. Hein. Avec ça, elle est prête à affronter les hivers sibériens. Nous voilà maintenant dans la mythique commune de Champier, dont la seule raison d'être connue de certains d'entre vous réside dans la présence d'un morceau de goudron qui ne va nulle part. Oui, le circuit du Laquais. Notre hypercar va pouvoir y poser ses pneus et faire rugir son démoniaque XU. Attention aux zones de dépassement, gardez la tête froide jusqu'au bout, vous ne faites pas voir, parce que bien évidemment que la performance au fil des tours va augmenter, mais rappelez-vous, quand c'est froid, il faut... Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette 605? Déjà, elle démarre, c'est bien. J'ai déjà fait quelques tours, hein, je précise. Et c'est intéressant. Donc c'est, pour rappel, ma première fois sur circuit avec une traction. Et je m'attendais à ce que ça soit potentiellement pas très intéressant par rapport à la MGF ou toutes les autres avec lesquelles j'ai pu tourner. Et je dois dire que, probablement parce que c'est un châssis assez travaillé et pas feignant du tout, bah c'est, on s'ennuie pas, hein. Pour l'instant j'ai de quoi faire, j'ai une belle marge de progression, évidemment c'est pas une fusée, loin de là, mais on peut s'amuser quand même avec un comportement vachement joueur, je trouve. On va laisser passer les gens. Voilà, ce premier tour on va pouvoir y aller en forçant. De toute façon, c'est son tour de ralentissement a priori, donc on va se caler sur son rythme. Bon, évidemment, les 130 chevaux de la 605 sont un peu justes, hein, mais heureusement, c'est un circuit quand même qui reste technique, même s'il est rapide, et donc. Les 30 minutes qui me restent ici pour vous faire un chrono et vous montrer comment elle se comporte, ça sera amplement suffisant. Voilà, on va laisser passer une Alpine, elle est légèrement plus rapide que nous. On va commencer à faire chauffer un peu les pneus, mais l'avantage c'est que la piste est enfin en train de sécher. Alors ce sera moins spectaculaire que pendant les premières sessions. Mais on pourra rouler un peu plus vite. Alors fais attention parce qu'elle n'est pas sèche partout par contre. Et à certains endroits ça peut être périlleux.
110, attention. 120. 130.
transporte pas mal. Pas mal compte tenu de la voiture, hein. On s'entend bien. De cet arrêt refroidissement pour essayer d'embarquer Clara dans la 605. Bon, en fait, on va repartir sans elle parce qu'elle est au téléphone, dommage. J'aurais bien aimé lui faire faire quelques tours. On peut jamais en faire beaucoup avec Clara parce qu'elle a vite envie de vomir. Hein. Bon, je peux pas lui reprocher. Moi, j'ai jamais fait tour en passager sur circuit, je crois. Donc, pas si mal. Allez, on a fait un meilleur temps de 1:48.6. Je sais pas si on arrivera à faire mieux. Je suis encore un peu brouillon avec la voiture. Alors, est-ce que vous vous attendiez à voir la 605 sur circuit pour clore ce chapitre particulier de la chaîne? Qui eût cru déjà qu'il y aurait une Peugeot sur la chaîne? Qui eût cru que ce serait une 605 et qu'elle finirait son baroud d'honneur de la chaîne en posant ses roues sur ce circuit maltraité par moi-même comme il se doit.
Ah bon? Je crois que je vais avoir le temps de placer encore un tour, mais pas plus. Thermique.
pourra pas le chronométrer celui-là. Et oui, malheureusement, le drapeau à damier est agité avant les stands. Donc, pas possibilité de passer la ligne d'arrivée. Et ce n'est pas sans une certaine émotion que je coupe le contact pour la dernière fois sur ce circuit, a priori. Durant la session, j'ai appris que les journées de roulage libre n'auront plus lieu. Voilà qui remet en question pas mal de projets, notamment une rencontre abonnée que j'aurais aimé voir avoir lieu ici. Donc la seule possibilité pour rouler avec sa voiture là-bas maintenant, ce sont les journées coaching, qu'on ne fait logiquement qu'une fois puisque ça a surtout pour but de découvrir le circuit. Bon ben voilà, cette matinée qui se termine, c'était super intéressant de tourner avec ce truc. Je regrette de ne pas avoir pu faire plus de tours sur les dernières sessions, on avait tout le circuit à disposition. Mais voilà, en tout cas, j'étais un peu perplexe avant de venir avec cette pièce et non, c'était très très sympa. J'en garderai un super souvenir en tout cas. Ouais. Et puis, pas un seul problème mécanique. Quoi. Pas de fuite, pas de conso, rien. Donc, ouais, je finirais presque par m'y attacher à cette i105. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Enfin, ouais. Et puis merci à Clara qui s'est gelé les miches pour me filmer aujourd'hui et qui a même pas eu la possibilité de monter dans la voiture, ça c'est dommage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quelques tours de circuit suffisent à démolir une bagnole. On va faire un petit peu le tour de la voiture pour voir ce qu'il en est. En tout, je dois avoir fait l'équivalent d'une vingtaine de tours. C'est difficile de compter exactement parce que au début, on avait juste des demi-circuits d'ouverts. Donc les pneus déjà, le plus évident. Alors, évidemment, ils sont un tout petit peu plus usés que ce qu'ils étaient. Alors là, ils étaient neufs. On note surtout qu'ils ont du cisaillement en fait. Donc... voilà, en roulant une centaine de kilomètres, ça disparaîtrait. Je pense que on a dû perdre quelque chose comme 10% de la durée de vie du pneu. Ça, c'est à l'avant. À l'arrière, c'est évidemment moins pire, hein, s'agissant d'une traction. Donc, on a toujours le cisaillement parce que c'est une traction avec une désinterrogation au sujet de son orientation sexuelle. À conduire, j'ai noté aucun jeu supplémentaire par rapport à avant la sortie circuit, même si ça c'est quand même assez difficile à mesurer et ça reste un peu subjectif. Alors est-ce que je peux... Oui. Niveau de flotte, toujours nickel. Le niveau d'huile. Alors, elle est pas évidente à lire cette jauge, mais on est presque au maximum. Le liquide de frein qui a bien chauffé. Elle a peut-être très légèrement bruni, mais c'est même pas sûr, hein, parce que le circuit en tant que tel, il est quand même un peu ancien et il est possible qu'il y ait quand même des dépôts qui se retirent encore, qui circulent dedans. Thank you.
il est temps de clore ce chapitre 605 SRI. À défaut du chapitre 605, j'ai pas fait grand chose de plus après la distribution et le tour de circuit. Entre temps, j'avais juste résolu un dernier problème qui m'embêtait. C'était qu'après plusieurs heures, voire une nuit d'arrêt, il fallait amorcer la pompe à essence plusieurs fois avant que le moteur démarre normalement. Et en fait, j'ai trouvé d'où ça venait. C'était juste un collier de la pompe à essence qui n'était pas suffisamment serré, donc en fait ça crée une fuite interne, l'essence retournée au réservoir à partir de la rampe. Et si vous aussi, vous voulez goûter au plaisir de la 605 fiable, performante et fun, il vous reste à suivre le cheminement du lien qui s'affiche ci-dessous, correspondant au groupe Facebook de la chaîne, puisque c'est encore une fois et comme toujours là que je vais proposer la voiture à la vente. Beaucoup de gens me sollicitent sur ce sujet. Est-ce que je vends systématiquement les voitures que je rénove? Non, comme n'importe qui, j'achète une voiture pas dans l'objectif de la vendre, mais d'en profiter. Après, quelquefois on s'en lasse, quelquefois on a besoin de place ou d'argent. Et là, encore une fois, vous verrez plus tard que ça n'a pas vraiment de sens de la garder. Même si, voilà, je ne cache pas que je m'y suis quand même un peu attaché. Mais pas être trop sentimental non plus avec les voitures. Donc, elle et moi vous disons adieu, enfin non, moi au revoir plutôt, et à la prochaine avec une autre. Ciao.